Alors je recharge pourquoi? Parce que j'avais un décalage, l'impression d'avoir un décalage entre le son et l'image. Qu'est-ce que c'est ce truc? Un truc que j'ai pas visité ici ou quoi? Ah mais non, mais je suis déjà passé ici. Je dois être... Ouais voilà, je m'approche de la crête de l'ossuaire en fait. C'est ce dragon que j'en ai chié énormément pour le vaincre. Eh bien. Ah voilà, tu m'as repéré. C'est bien ça. Fous, tiens, là j'en ai pas chié, tu vois. Toi, là je suis un peu plus balèze. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décalage en fait entre le son et l'image. Anke, t'as été blessé, Anke? Je suis sur vos talons. Faut que je change Que certains voulez-vous me trucs avec donner? toi. Pourquoi tu ne mets pas ton armure? T'as une superbe armure. Qu'est-ce que tu as? Tu as un arc elfique parfait. Putain, je vais pouvoir te rééquiper parce que je fais un peu plus fort que du parfait maintenant. Une hache d'ébonite. Ouais. Je vais pouvoir t'équiper mieux que ça. Enfin bon, t'as déjà un petit peu d'équipement pas trop mal quand même, hein. Passez devant. Alors. Non, j'ai mon masque de rossignol, c'est bon. Et le dragon, j'ai même pas récupéré son âme. Oh, t'es beau là. T'es pas mal comme ça. Bon, bah oui, ah oui, parce que c'est un dragon que j'ai déjà rencontré en fait. Mais j'ai énormément de... d'écart avec le son. Bien, j'ai plus qu'à aller au nord. Ah, mais t'es mieux équipé. Du calme, du calme. Oh, t'es trop bien, j'adore trop. Bon, enfin bref. Oh, les soldats impériaux. Ah oui, là il y a un camp d'impériaux. Il faut que j'aille au nord, je sais. Je vais aller visiter leur camp, tant qu'à faire, hein. Tant qu'à être à côté. Hop. Que Comme pensez-vous de ça. tout ça? Je sais que c'est ce que tous les autres disent. Camp impérial à la con. Moi je cherche, il doit y avoir un site pas loin. Ah ben voilà, là il y a un site. Je sais pas si c'est ça, mais je cherche mes fragments d'Athérium. Alors ils doivent être conservés à l'extérieur d'un site. C'est un truc de ma mère ça. Ça pourrait être là. Une réserve d'OMR. Je suis où par rapport à ma flèche? Ouais bon ben... On va regarder, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réserve d'OMR? Ah, mais t'es là. Aidez-moi avec cette porte, vous voulez bien? Catria, mon ami. Ah, ben j'ai trouvé. Attends, je vais ouvrir ça là. Ah, ma super clé squelette. Qui se brise jamais. Merde, oh, c'est rangé l'arme que je voulais faire. Oh putain, tout le minerai. Hop là. Putain, c'était une réserve, oui. La mêlée de Mara, on prend, hein. Putain, il y a une porte là. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Qu'est-ce que c'est ce petit truc là? Un levier, d'accord. Bon. Enfin bref, là il n'y a rien d'autre. Et cette porte, niveau apprenti aussi. Tadam. Ah ouais, d'accord, il faut un truc niveau expert.
ou deux apprentis. Donc, si vous n'arrivez pas à ouvrir la niveau expert, moi je m'en fous là, j'ai appelé squelette, alors je vais ouvrir toutes les portes. Hein. Tadam. Voilà, tu peux rentrer, Katria. Oh, je l'avais pas vu celui-là, le convecteur. Putain, c'est là qu'il faut que je mette un truc. Soit intense. Katria, on y va. Oh, oh putain, il est juste là le fragment. Bon, ben voilà. Un fragment de plus. Le métal de la mer, je prends. De torpeur. Allez, je la prends, elle va dessus. Mais voilà, mon troisième fragment d'Atherium. Bon, encore qu'est-ce que tu me racontes ah. C'est le troisième, n'est-ce pas? Plus qu'un dernier à trouver. Au travail. Oui, mais t'es mignonne, mais si tu me disais où est-ce qu'ils sont, ça m'éviterait d'aller chercher au petit bonheur la chance. Parce que là, j'ai eu énormément de chance de le trouver du premier pet, moi. Il y a un convecteur d'OMR, ça sert à quoi ces trucs? Je suis sûr qu'avec les... merde, comment ça s'appelle? Les trucs que je récupère sur les... les machines bidules rouges, là. Oh, mais viens, il n'y a rien d'autre. Voilà. J'ai plus qu'à relire mon bouquin pour chercher le cinquième fragment qui se trouve dans les montagnes au sud, je sais. Qui se trouve... il va se trouver... je crois que ça va être par là, à tous les coups. Le repère, je l'ai déplacé. Je pense que c'est par là, parce que d'après ma carte, d'après le livre, je veux dire. Non, mais j'ai pas ça. Journal des quêtes. Puis ses convictions. Or, c'est perdu dans les âges que je fais. Putain, j'en ai 3 sur 4. Et ils veulent même pas m'afficher la carte. C'est pénible. La remarque, c'est pas plus mal. Ça nous permet. Ça nous oblige à chercher suivant le. Les indications qu'on a sur le livre. Donc, il est où ce livre? Le journal de Katria. Donc, j'ai... Alors, le 1, Arctams, c'est le premier, je l'ai fait. Le 2, c'était quoi le 2? Betardams. En fait, il y avait rien, Betardams. Ouais, j'ai été, mais il n'y avait rien. Ça doit être la forge Betardams, en fait. Je sais pas. Mentionné sous le nom de Betardams, c'était allié. Mais non, Betardams. Betardzel, d'accord. Mais pas Betardams. C'est un site plus petit situé au nord et au nord-est. Sur le plus, on s'en fiche. Le 3, principale source d'Atherium, ça c'est fait. Le 4, c'était le site de stockage situé à l'extérieur. Ça c'est fait. Situé aux portes d'une grande cité. Ah, il doit y avoir une grande cité pas loin. Pas de nom d'identification, mais les pages entières des chemins illisibles. Je n'ai pas pu déchiffrer comme grand chose. Un astrolabe, un appareil, des armoiries. En 4 fragments. Là, ce serait la forge. Hein, ou alors le moyen de localiser la forge. Ben, j'en sais rien. Donc le numéro 5 qui se trouve. Donc c'est bien à peu près là où j'ai dit. Alors il y a une pointe, la première pointe en fait. Hop là. Ah non. Carte. Alors, ma carte doit faire 2 pointes. Oh ben là, je les vois pas les pointes. D'accord, c'est les montagnes en fait qui vont faire les pointes. C'est au niveau de la première pointe. Ouais, ben, ça doit être par là, oui. Ou alors c'est Avangezel. Avangezel, j'ai trouvé ça pour moi. La garage pure, ça c'est la cité, la ville orque. Bon, on va aller chercher ce fragment, hein. Mais on va visiter un peu ici le coin parce que j'ai pas vu la cité, moi. Oulala, putain, elle a l'air énorme, oui. Putain, elle est gigantesque ici. C'est gigantesque ce site. On va devoir tout remonter, hein, je vous préviens. Je dis ça en courant pour commencer depuis en bas, mais... C'est quoi ça? Ah, c'est un ours.
Bon, j'ai le jeu qui plante, je sais pas pourquoi. Là, il s'est arrêté deux petites secondes. Bon, allez, on remonte toutes ces marches. J'ai peut-être pas pris le bon sentier ici. Faut monter par là. Bizarre ce site. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a, en plus il y a personne quoi. C'est un site immense, mais il n'y a pas un chat. On m'en fiche, moi je vais continuer, hein, j'allais tout fouiller. Hein. De toute façon, tant que je suis avec un queue, je ne crains rien. Mzulf. Mzulf. Bon, mais c'est parti pour Mzulf, hein. Je vais le faire, même si ça n'a peut-être aucun rapport avec la quête. Regardez là-bas. Truc dans le passé. Les ruines naines. Oui, les ruines naines, comme tu dis. Regardez là-bas, des ruines naines. Ah, ben voilà, les gardes de l'Atherium. C'est intéressant, ça. Et, il avait le pauvre petit machin. Hein. Un bon petit livre. Comment s'appelle déjà? Khajiit. Le pauvre petit aventurier Khajiit. Il avait un livre sur l'Atherium. Donc je vais le lire. Dédé à Katria, cancer M. C'est le deuxième livre parce que le premier c'est pas celui-là qui avait. Bon, je vais le passer tranquillement pour vous et moi prendre le temps de me le lire. Alors, c'est parti. Et voilà, et maintenant je vais couper l'enregistrement pour me le lire tranquillement pour moi. Pas de suite. Oui, bon, en fait, le livre j'avais déjà lu, hein, donc voilà. J'ai pas perdu trop de temps à le relire quand même, heureusement. Quoi qu'il en soit, on va découvrir Mzulf. Bon, alors je vais essayer de faire assez vite Mzulf. Nécessite une clé. Oh merde. Donc Mzulf, ça doit être la forge. Et pour avoir la clé, merde, hein, mais il faut une clé, bête. Hein. Bon, mais Mzulf, je pense que ça doit être la forge d'Atherium. À mon avis, hein, ça doit être lié. Pourquoi il y aurait le site d'Atherium juste là et Mzulf qu'on peut pas visiter? Je pense que les deux doivent être liés. Bon, mais c'est pas grave, on va aller chercher. Voilà. Il n'y a pas d'autre entrée. J'ai quand même envie d'aller voir tout là-haut. C'est pas le truc. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit. Je vais faire un petit peu ma carte locale. Non, non, il y a que cette entrée à Mzulf. Bon, ben Mzulf, je pense que c'est la forge d'Atherium. Et on ne peut pas la visiter parce qu'on n'a pas la clé. C'est une clé d'Atherium et je pense que les quatre formats réunis me formeront la clé qui permettra d'ouvrir ce site. Bon, ben on va aller chercher hop là, la réserve de mer. Hein. Mzulf. Elle est bien Mzulf. Donc, je vais jusqu'à Mzveld. Oh, j'aimerais bien savoir si c'est là ou pas, quoi, quand même. Hein. C'est quand même assez près de mon perdu là. Du moins, il va falloir que j'aille finir la quête principale un jour aussi. J, non, c'est pas J. Ah si, je voudrais voir où se trouve le... Merde, comment on va appeler ça? Le mausolée du crépuscule. Il se trouve où? Ah, mais t'es à côté de Falkrik. Comme j'ai pas souvent été dans cette région, il va falloir que j'y aille une fois, oui, quand même. Bon, désolé du crépuscule, c'est très bien. Donc je l'ai activé. Et je disais, je voulais voir autre chose. Mais non. Non, non. Je disais que je voulais rien voir de plus.
Or, petite escapade à la maison. Bon, non. Elle s'occupera de porter si elle s'y apporter. Ah oui, je voulais voir le livre, pardon. Excusez-moi, je suis un peu brouillon des fois, hein. Voire même souvent. Mais je voulais voir le livre de Catria, le journal de Catria. Essayer de déterminer avec plus de précision où ça se trouve. Alors, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, ça c'est les lacs. Donc ça se trouve juste au sud de la pointe du lac, à la croisée de deux chemins. Au sud du deuxième lac, à la croisée de deux chemins. Donc il y a le grand lac de machin. Là. Il est où l'autre lac? C'est celui-là. Celui-là, lac. À côté de Fort Libar, donc. Et ça devrait être juste au sud. Et là, il y a deux chemins. À mon avis, c'est ça. C'est plus ça que là où je l'avais mis, en fait. J'ai l'impression. Hein. On va voir, on verra bien. J'espère que je vais trouver Catria. Pas loin. Bien. Donc, je sais pas du tout si c'est ça. Hein. Là, c'est vraiment de la recherche. Parce que c'est pas très très détaillé. Pareil, c'est là. Pareil, c'est là. J'en sais rien. Tour d'automnel, ça c'est fait. J'aimerais voir les deux sentiers, mais là je les vois pas les sentiers. C'est ça qui est pénible. Et apparemment, c'est ça. Hein. Problème, c'est que c'est grossièrement. Je suis au bon endroit. Et ici, je crois qu'il y avait. Hop là. Eh merde, t'es con. Dis-moi, t'inquiète. Il est où ton copain? Ah, il y a un truc là. Ça j'avais jamais vu ça. Voilà. Voilà. Ah, c'est trop vite. Hein. Il est où l'autre? Là-bas. Bon. Voilà. Petit scélérat. Bon, je veux tes pièces d'or. J'aime pas trop cette clé squelette, ça fait bizarre. Bon, ça c'est fait. Je vais me remettre en première personne. Ranger mon épée. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Oh putain! C'est qui se bat là-bas? Sauvegarde rapide. Alors, on va aller voir qui se bat là. C'est quoi ça? Tiens, sorcier de glace. Toi t'es mort et toi là-haut t'es quoi? Ouh, un sorcier de feu, un sorcier de glace fouté sur la gueule. Mais pousse-toi mon cheval, t'es mignon mais. Oula, j'ai fait flinguer mon cheval. Allez, viens ici toi. Pousse, voilà. Allez. Mais pourquoi je marche là? T'es mort? Ah non. Là t'es mort. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient, les sorciers de feu et les sorciers de glace? Une dague de verre, altération en là, on s'en fiche. Oups, un sanctuaire de dragon. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai vu par là-haut? Il y a un temple là-haut. De je sais pas quoi. Que je ne connais pas. Ben là où j'ai mis la flèche, hein. J'irai peut-être voir plus tard. C'est l'ulcère. Bon, mon cheval est toujours aussi chiant à courir partout. Alors, j'ai dû grimper ici pour pouvoir le voir. Et j'ai tué l'autre mage avec elle. Sorcier de glace. Alors, une abeille. Des plantes grimpantes. Monsieur un enchanteur, allez hop. Alors, je disais ici qu'il y avait ça que j'avais jamais repéré ça. J'ai pas fait gaffe. Je peux pas l'activer. Activer le mécanisme d'OMR.
Quoi? Oh, rends-moi mes fragments. Oh putain, le mécanisme. J'ai trouvé le mécanisme de ma mère. Et cette flèche va certainement se tourner vers le site où je dois aller. Oh putain, j'en avais que 3 fragments. Putain, il m'a piqué tous mes fragments. Et j'en ai un en main. Pourquoi j'en ai un en main? Pourquoi il m'en reste encore un? Alors revenez. Revenez mes fragments. Merde. Bon. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et ça pointe vers la montagne? Mais dis pas que c'est en haut de la montagne. Vers où ça pointe? Vers là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Ouais, mais la passe de machin, mais il n'y a rien là. Oh, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. C'était pas ça qu'il fallait faire, je suis sûr. J'aurais pas dû les poser. J'ai fait une sauvegarde automatique un peu avant. J'ai pas vu s'il a bougé ce con de truc. Vous ne possédez pas l'objet qui convient à ce mécanisme. Oh, allez, mais rends-moi mes fragments. Désactiver le mécanisme, on peut pas. Bon, je vais faire une recharge rapide juste avant que j'aille tuer les dommages. Je fais comment? F9, je crois. Voilà, parce que j'avais fait une sauvegarde rapide quand j'ai vu les dommages.